Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé 3 éclaireurs au camp. Carl et les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de gardes, et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouvent la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça ? Le Tango Motel. Changement de plan, Aiden. Ils ont attaqué notre abri. Qui ? Sophie ? Mes hommes sont sur place. Trouve Carl, sauve-le et récupère nos cristaux. Vite ! Je vais faire mon possible. J'ai vraiment aucune envie d'être ici.
J'en ai marre, putain. Avec ça, fumier!
C'est parti. Quel temps de merde.
À la prochaine! Oh, merci. Si t'as besoin de quoi que ce soit, demande à voir Christopher. Jack et Joe sont rien que des petites pourritures. Bravo, pèlerin. La famille Greenwood, revenez quand vous voulez. Un grand merci. Et n'oublie pas, pèlerin, Greenwood. Je vais prier pour toi. Le vieux Hank s'est fait tabasser pour une bouteille d'eau hier. La situation devient vraiment incontrôlable. Pèlerin, où sont tous les autres? Ils se sont fait attaquer. Où sont les cristaux? Par ici. Contacte Sophie. Vite! Sophie, j'ai Carl. Il va bien. Et vous? Sophie? Sophie? T'es là? Tu dois les aider, Aiden. Où est-ce que je dois aller? Au Tango Motel. C'est la cachette de Sophie. Cours! Et vite! Vas-y, pas de temps à perdre. J'admire Sophie. Elle est 10 fois plus courageuse que Carl. Il y a enfin quelqu'un qui a remis ses enfoirés à leur place.
J'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack et Joe. C'est pas tout, Hakon. Quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie et Barney. C'est peut-être les pacificateurs. Chier. Oublie pas pourquoi t'es là. On est censé accéder à la boucle centrale et pas nous impliquer dans les conflits locaux. Ne t'implique pas, retourne au métro. On va partager ce qu'on sait avec Aitor et il nous laissera peut-être passer. Je dois y aller, Hakon. J'ai promis d'aider Sophie. En plus, c'est le seul moyen d'obtenir la vérité. Ok. Je te recontacterai. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Sophie! Barney! T'es là? Sophie? Sophie, au rapport! Thank you.
Sophie, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au rapport! Est-ce que quelqu'un m'entend? Caporal Kominski, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe ici? Terminé. C'est Hayden. Tes hommes sont morts. Oh, merde. Oh merde, Hayden. Je commençais à t'apprécier. T'as attiré les pacificateurs jusqu'ici. Je vous ai aidé. Tu nous as trahis. Alors maintenant, on doit te tuer. T'as aidé Aitor et toi-même. Tu nous as juste aidés pour arriver à tes fins. Qu'est-ce que t'attends? Tu sais pas quoi faire? Barney! Barney, attends! T'aimes ça, hein, enflure? Mais ça va pas! Oh,
Ok, plus que ça. Je cherche Sophie. Non. Sophie. Merde, ça te concerne pas, Herman. Hors de mon chemin. Putain, Grizzly. Herman, laisse tomber. Laisse-moi parler à Sophie. Tu l'as entendu? Barney, gamin. Trouve Barney. Barney ? Sors de là ! Allez, mec ! Je vais te trouver ! Aiden, si tu veux, je te mets une balle dans la tête, ou je te laisse agoniser jusqu'à ce que tu te transformes. Alors ? Y'a que toi qui vas mourir, Barney. Tu devais l'arrêter, pas le tuer. Donne-moi ton arme. Donne-la-moi, frangin. J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est comme ça qu'on me remercie pour mon aide ? On remercie les traîtres par la mort. Tu nous as pas dit que tu bossais pour Aitor. Je bosse pas pour Aitor, je bosse pour moi-même. Personne ne peut rester neutre à ce niveau, Aiden. On lutte pour notre survie. Sans eau, c'est tout le bazar qui va mourir en moins d'un mois. Et les pacificateurs ne vont pas nous aider. Tout comme à la mort de ma mère. Ils se sont contentés de nous regarder mourir. Il s'avère que tu es l'un des leurs. Tu t'en fous de nous. Dis-moi, pourquoi je devrais t'épargner ? Sophie, tire ! Qu'est-ce que t'attends ? On peut s'entraider. Qui a tué Lucas ? Il pense qu'on l'a tué. Sophie, parle-moi. Tu l'as fait ? Non. Sophie, putain ! En quoi ce meurtre peut-il t'intéresser ? Qu'est-ce que t'a promis Aitor ? Aitor a promis de me laisser accéder au centre. C'est pour ça que je l'aide. Et tu le crois ? Aussi simple que ça ? Lui, au moins, il a pas essayé de me tuer. C'est pas lui que tu as trahi. Mais je peux aussi t'aider. Aide-nous avec l'eau, et je me charge de t'accompagner à la boucle centrale. Déjà, je t'ai pas trahi. Je collabore sur une enquête criminelle, c'est différent. Quant à ton offre, le seul accès, il est pas aux mains des pacificateurs ? Y a un autre moyen. Tu crois vraiment que je vais te refaire confiance ? On a besoin l'un de l'autre. Tu nous as pas dit que tu collaborais avec les pacificateurs. On a donc tiré nos propres conclusions. La situation est de plus en plus dangereuse et on doit faire attention. T'as essayé de me tuer, Sophie. Je te le jure, sur la mémoire de Birdie, de Suzy, de Logan, de Ralph et d'Herman aussi. Si tu nous aides, on t'accompagnera au centre. Est-ce que tu m'aideras ? Bien. Quel est le plan ? Jack et Joe se sont échappés. On a une chance de reprendre le château d'eau et d'enfin récupérer l'eau. Avocator s'en charge. On va s'occuper des pacificateurs et on t'enverra ensuite au centre. Mais on doit d'abord sécuriser un accès à l'eau. Comment accéder à la tour ? C'est presque impossible sans Treuil. Et les hommes de Joe ont scellé les accès. C'est pour ça que je demande. Donc tu veux que je l'escalade ? Si tu y parviens, tu sauveras la vie de nombreuses personnes. On ne l'oubliera pas. Je me demande encore pourquoi ma sœur te faisait confiance.
On dirait que les bandits ont fui le château d'eau. C'est inoccupé. Sophie dit qu'une fois que je les aurai aidés à récupérer l'eau, elle me montrera un autre passage vers la boucle centrale. Parfait. Elle a grandi ici et connaît chaque coin de rue mieux que la plupart des chauffeurs de taxi. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo, mais il est dangereux. Je doute qu'il se soit juste enfui comme ça. C'est plus haut que ce que j'imaginais. Sophie, Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter. Bon Dieu. S'ils font ça, on aura une source d'eau. Allez, Aiden. La tour est minée. Essaye de désarmer les charges. Sophie, Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter. Bon Dieu. S'ils font ça, on n'aura aucune source d'eau. Allez, Aiden. La tour est minée. Essaye de désarmer les charges. Thank you.
On va pas sortir d'ici vivant. Personne d'ailleurs. Donne-moi le détonateur, Jack. Non, j'avais été censé rendre hommage. Juste collecter de l'argent. Jack, rends-le-moi. Ils auront ce qu'ils méritent. Ils mourront tous. Jack, je te préviens. Compris. Et l'eau est sécurisée.
J'ai réussi après tout. Je vais vous offrir un spectacle pyrotechnique. Bien sûr qu'ils vont nous foutre en l'air. Soit ces trous du cul du bazar, soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu, mec. On a perdu la tête. On peut pas se battre contre tout le monde. C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je veux pas mourir, connard. Hé, qui est là? Arrête! Ou on va faire sauter la putain de tour, je te jure! J'ai trouvé les bombes. Discutons. L'heure de la parlotte est terminée. On va faire exploser cet endroit. Tu m'écoutes pas. C'est fini. Je veux que ça soit terminé. Et quitter la ville en toute sécurité. Aide-moi, et je t'aiderai en retour. Tu te trompes, Jack. Personne nous laissera sortir d'ici vivant. Écoute, je suis un pèlerin. Allez, faisons tout sauter. Je te mets au défi, je sais que tu le feras pas. L'écoute pas, Jack. C'est terminé. Fais péter! Je sais pas. J'ai peur. Joe, attends. Joe. Hé. C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar il y a peu de temps? Peut-être. Pèlerin ou pape. Et alors? Tu comprends pas? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je fais pas confiance à ce connard. Tu fais confiance à personne! Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barney. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois! Être sympa avec Barney? Pourquoi faire? Pour le faire dégager du bazar! Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu, cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu Barney? À propos de quoi? Eh bien, à propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barney savait que Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre au vieux Ville d'Or. Et si tu me demandes, la guerre, c'est la dernière chose dont on a besoin. Argent, cristaux, ça, c'est notre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur. Alors, pèlerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi? Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain. Fais-nous sortir de la ville, pèlerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. Je peux vous faire sortir de la ville. Mais d'abord, il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe. Allez vous cacher quelque part et attendez. Ils vont pas nous voir, t'es sûr? Qui ne risque rien n'a rien. Il ment, Jack. Y a pas d'autre moyen. Merde! J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais ok. On vous attendra dans les tunnels près du Tango Motel. On vous donnera un signal quand on y sera. Bon choix. Maintenant, donne-moi le détonateur, Jack. Alors, Aiden, le génie, qui prend le contrôle de l'eau.
Jack et Joe sont rien que des petits.